in the city of lights. Don't you follow me into the jungle. Eh bien, salut à tous, c'est Lespina. Aujourd'hui, on se retrouve sur la bêta de Paragon. Alors, aujourd'hui, on va tester nouveau héros. Alors, actuellement, je suis avec Gideon. Pardon, je baisse le son du jeu, qui est masse fort. Donc, aujourd'hui, je suis avec le héros Gideon. Et donc, on est toujours sur la bêta fermée de Paragon. Donc là, la game a commencé depuis... 14 minutes. Donc on est toujours dans une petite découverte de la bêta. Toujours en 60 fps et cette fois-ci je voulais faire 1440p. Bon, au moins avec ce personnage on peut attaquer de loin. Contrairement à l'autre où c'était vraiment difficile. On va tester de le détruire celui-là, si on peut. Bon. Donc j'ai testé l'amélioration principale, enfin, celle qui est la plus importante. Je voulais voir, au moins j'ai vu. Par contre, on va se diriger par là-bas. Alors, je pense pas que je vais faire une vidéo de 30 minutes parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément 30 à 40 minutes à regarder les vidéos. Alors, peut-être cet été, mais là, si vous voulez la découvrir tout de suite, c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup. Et j'ai pas pensé sur le coup, donc je pense qu'on va stopper la vidéo genre dans 10 minutes quoi, un truc comme ça. Là il faut détruire la tourelle pour pouvoir avancer. Voilà. Ah merde. Ça c'est pas mal le fait d'avoir le trou de verre, ça permet de s'échapper très rapidement. Et dans ce jeu c'est plutôt agréable puisque quand vous mourrez à chaque fois le temps réaugmente. Donc c'est plutôt sympa en fait. Après c'est à voir parce que vraiment tout à l'heure je me suis fait une game de 1 heure et c'est beaucoup trop long. Hein. C'est trop long. Si je veux record pour vous, c'est totalement hallucinant. J'ai oublié de faire ça d'ailleurs. C'est beaucoup trop long. Parce que si admettons, je quitte la partie pour X raison, il faut que j'attende 1 heure puisque quand je rejoins le launcher, en fait, il m'oblige à re-rejoindre la partie qui était en cours en fait. Donc, je suis obligé de jouer ma partie jusqu'au bout. Il m'oblige. On va rejoindre le héros du milieu là pour voir si on peut se le faire. Oh putain, ils sont deux, non. Trois. Oh, toujours plus.
Ah, ils sont tous là, d'accord. Loupé, mince, dommage. Ouais, j'en ai eu un. Déjà, c'est pas mal. Oh, putain. Ah, j'ai. Ouais. C'est vrai que quand tu veux sprinter, ça charge et si tu tires, ça s'annule. Ça, il faut le savoir. Donc, on va changer un peu de position. Il est où le monsieur? Ah, il est dessous. On était trop dessus. Alors là, c'était un peu... Un peu, bref. Hop là, voilà, c'est réglé, MDR. Ce truc qui tombe du ciel, ça pourrait être bien cheaté si j'améliore à fond. Ok, allons-y pour détruire cette tourelle. On va utiliser notre... Je sais pas si ça fait grand effet sur les tourelles. Mon atout principal, quoi. Je suis le seul héros à détruire cette tourelle ou... Trop bien. Putain, on était tellement proches, c'est dingue. Ce
Ce truc il fait un carnage venu du ciel. Voilà, il restait vraiment rien du tout. Bien, de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous avez compris le principe. Au pire, je vous mettrai vraiment quelques secondes de la fin de la game si je la remporte, bien sûr. Sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous préférez une vidéo plus courte ou plus longue. Ou si vous voulez carrément que je vous laisse toute la partie de la bêta. La bêta se termine mardi, donc dépêchez-vous dans les commentaires. Mettez-vous d'accord et mettez-moi un maximum de remarques. Bref, j'espère que ça vous aura plu. C'était Lespiné. Ciao à tous.